bien. Aujourd'hui, on est jeudi 21 juillet et j'ouvre une nouvelle gazette. Je tente de nouvelles choses. J'ai lu sur ma dernière vidéo des commentaires disant que le son était catastrophique. Donc j'ai essayé en fait de modifier le son lors du dernier montage et je pense que j'ai fait pire que mieux. Donc c'est soit il y a deux solutions, soit j'achète un micro en espérant que ça fonctionne, soit j'essaie de me familiariser avec mon appareil photo réflexe que j'ai en ma possession pour voir si le son est de meilleure qualité. Donc dans un premier temps, j'ai choisi d'utiliser mon appareil photo pour voir ce que ça donne. Du coup je pense que la gazette de cette semaine sera plus courte parce que je me familiarise avec ce nouvel outil. Du coup, ça fait plusieurs fois, je ne les compte même plus, que j'essaie de vous présenter donc une réception. J'ai fait une première vidéo où j'avais l'enveloppe dans les mains et je vous montrais l'unboxing. Et en fait, j'ai eu un souci avec la vidéo qui s'est malencontreusement supprimée de mon appareil photo lorsque j'ai voulu le transférer sur l'ordi. Du coup, voici mon unboxing. J'ai plus la vidéo. Voilà, c'est un unboxing foireux, mais présent quand même. Donc c'est parti. Alors en fait, j'ai reçu un petit colis surprise des éditions Pocket. J'ai l'impression de vous l'avoir dit tellement de fois, mais en fait, bon, vous allez voir pour la première fois. Alors, avec un joli petit mot. Chères toutes et chers tous, un petit envoi surprise à embarquer lors de vos déambulations estivales pour fêter les 60 ans de Pocket. Un tote bag incarné des stickers et deux livres choisis rien que pour vous parmi une sélection de 60 titres iconiques à redécouvrir. Nous vous souhaitons d'agréables lectures, de jolis moments de redécouverte et un très bel été, le Bang Pocket. Donc merci beaucoup Pocket pour cette délicate attention qui m'a fait énormément plaisir lorsque je l'ai découvert dans ma boîte aux lettres. Donc en effet, j'ai des petits stickers qui iront très bien. Il y a Titou qui est là. Qui iront très bien dans mon. Je vous le montre. Ça va, petit chat? Ça, c'est le livre en fait où je note mes lectures du mois. Et donc, dedans, j'ai déjà des stickers, notamment le Grand Prix des lecteurs Pocket 2022. Donc, ça ira très très bien dedans. Trop contente. Ensuite, on a un joli carnet. Moi, je dis qu'on n'a jamais trop de carnets. J'en ai toute une collection. Évidemment, un petit tote bag. Et vert, je trouve ça trop original. Il y a peu de tote bag de couleur comme ça, osée. Et moi, j'adore la couleur. Je pense que ça se voit. Et avec, j'ai reçu deux romans. Donc, qui sont à redécouvrir parce que clairement ils sont pas de première jeunesse. Donc le premier c'est de Christian Jacques. Donc je suis trop contente parce que j'ai acheté dernièrement un roman de cet auteur que je voulais découvrir. Donc là c'est Ramsès 1, Le Fils de la Lumière. Donc je ne sais pas si c'est le tout premier roman de Christian Jacques ou pas, faudrait que je me renseigne. Ah non, c'est le numéro 1 dans la catégorie Ramsès. En fait, il y a plusieurs catégories. Il y a le juge d'Égypte, la pierre de lumière, Mozart, la reine liberté et l'Égypte s'éveilla. Enfin, il y a plein de catégories. Donc, il est sorti aux éditions Robert Laffont en 1995. J'avais donc 5 ans. C'est pas très utile de dire ça parce que clairement, ça ne me rajeunit pas. Donc, la quatrième de couverture nous dit que parmi les roseaux d'un marécage égyptien, un jeune garçon observe un colossal taureau sauvage. L'enfant, enfin, bondit. Il a vaincu sa peur. C'est un homme maintenant. Il a réussi l'épreuve que lui soumettait son père, le pharaon. Mais le destin du fils d'un roi n'est jamais écrit à l'avance. Il faudra au jeune Ramsès toutes les ressources d'un grand stratège pour éviter les pièges que lui tend son frère aîné. Toute la sagesse des scribes pour gagner la confiance de son père et lui succéder. Ça a l'air trop tentant. Et alors celui-ci m'intrigue encore plus. Des Griffes au Loup de Claude Michelet, que je ne connais pas du tout. Par contre, j'aime beaucoup cette couverture dans les brumes un petit peu, avec des moutons, etc. Dans la campagne, dans les champs. Ah, j'adore. Ce que j'aime moins, c'est ça. C'est le côté écrit tout petit et très dense, un petit peu comme les romans d'Agatha Christie. Au niveau du style éditorial, enfin
de la mise en page. C'est très très petit, très très dense et très collé, très serré, très tout ça. Alors, ce livre est sorti aux éditions Robert Laffont en 1979. Bah là, j'étais carrément pas née. Voilà. Mais c'est génial. Je trouve ça limite émouvant d'avoir des livres aussi anciens. Franchement, je me serais pas retournée vers eux et c'est top. Donc ce livre a reçu le prix des libraires, à l'époque j'imagine. Saint-Libéral, petit village de Corrèze, début du XXe siècle. Dans la neige crissent trois paires de sabots. Les enfants relèvent les collets. Sept griffes, c'est un beau butin. Qu'à l'approche des loups, il faudra leur abandonner. Ce qu'il faut laisser derrière soi, déjà, pour survivre. Plus tard, faute de griffes, ils sacrifieront les coutumes d'antan, à savoir faire dépasser un père, une mère, une terre. Nous sommes en 1914 et les loups ont passé les Vosges. Donc franchement, celui-ci, rien que le résumé, je trouve qu'il a quelque chose de spécial. Les choses sont dites, mais pas directement, avec poésie et finesse. Et franchement, il me tente trop trop trop. Donc s'il y a des adeptes de Christian Jacques qui regardent ce vlog, n'hésitez pas à me dire si celui-ci vous l'avez déjà lu. Quel est selon vous son meilleur roman? Parce que franchement, j'ai très envie de découvrir cet auteur qui nous fait des beaux romans égyptiens. Enfin, franchement, c'est un des seuls. Et si vous avez lu celui-ci, bah, n'hésitez pas à me dire aussi, parce que bah, je ne connais pas du tout Claude Michelet. Visiblement, il a écrit plein plein de choses. plein de choses. Ah, des griffes aux loups, ce serait une saga alors? Les palans ne passeront plus, l'appel des angoules. Engoulevent la terre des Vialets. Alors là, moi, ouais, il y a un 2, 3, 4, donc ça se peut que ce soit le premier peut-être d'une petite série à cette époque-là, pourquoi pas. Merci les éditions Pocket pour ce bel envoi, je suis trop contente. Et bien moi, je vous dis, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, du coup je vous dis à très vite. Je vous prends en direct de ma pièce à lire. Je suis en train de monter, entre guillemets, la gazette, la nouvelle gazette, avec mon appareil photo du coup, et j'ai l'impression que le son est un petit peu meilleur. Donc je continue de croiser les doigts et j'en profite pour vous faire une petite session pour vous parler de ce roman que je termine bientôt. Donc c'est L'Enfant étoile de Catherine Henneberg aux éditions Pocket. Et c'est un livre que je lis dans le cadre du jury de la Nouvelle Voix du Polar. Donc je vous ai déjà lu le résumé dans une précédente gazette. Du coup, je viens un petit peu vous en reparler. Il me reste... Je suis à la page 300, il y a 450 pages. Il me reste 150 pages à lire. Franchement, j'aime beaucoup le lieu où ça se passe, à Copenhague. C'est un lieu où je devais partir en février 2022, donc forcément je n'y suis pas allée, mais j'aurai l'occasion d'y retourner. Du coup forcément c'est un lieu qui me parle, un pays que j'aime beaucoup, qui m'attire en tout cas, puisque je n'y suis pas allée. On fait face à un duo d'enquêteurs plutôt cocasses parce qu'ils s'entendent pas vraiment. Alors par contre les noms des enquêteurs sont un peu imprononçables, voilà, puisque c'est écrit... en danois, si je dis pas de bêtises. Et mais par contre, le duo est assez cocasse. Il y a des petites longueurs, selon moi, beaucoup de détails à certains moments, alors que l'enquête de fond est vachement passionnante. En fait, pour vous résumer un petit peu les choses, l'histoire débute quand un vieux monsieur, habitant dans un immeuble,
veut descendre ses poubelles, il me semble. Et en fait, ce vieux monsieur est plus très sûr de ses jambes. Il descend les poubelles avec bien du mal. Et puis, en remontant à son étage, il passe par l'étage du dessous et voit une porte entrouverte. La porte de l'appartement de deux jeunes filles qui sont en colocation. Ce qui va se passer, c'est qu'il va rentrer pour dire hello, bonjour, il y a quelqu'un, vous avez laissé la porte ouverte. Et en fait, il rentre, il tombe. Il en était sûr, il tient plus vraiment sur ses jambes. Et en fait, il se rend compte qu'il est tombé sur un cadavre. Voilà comment ça commence. Et au fur et à mesure de l'histoire, il y a un suspect qui se détache très très vite. J'ai plus de batterie, tiens, ça va peut-être couper. Je me dépêche du coup. Et en fait, ce suspect est. Ça semble trop facile que ce soit lui. Donc il est rapidement écarté. Et puis on se tourne vers la. Pas la gardienne, mais la propriétaire de l'immeuble. Et en fait, les enquêteurs s'aperçoivent très vite que c'est une ancienne institutrice à la fac qui est en retraite et qui essaye d'écrire son premier roman. Et en fait, son premier roman décrit totalement le crime qui vient d'avoir, le meurtre qui vient d'avoir lieu. Donc de là, le lecteur va en savoir plus et en fait on va de rebondissement en rebondissement. Franchement, l'enquête est géniale, j'essaye de le finir ce soir ou demain matin ou plus tard et d'en commencer un autre, parce que j'en ai trois autres à lire pour la fin du mois. Mais j'ai hâte d'en savoir plus sur celui-ci. Je vous en reparle plus en détail pour vous dire si j'étais surprise par la fin ou pas. En parallèle, j'ai commencé enfin en audio. Contre-jour, j'adore les effets de ce livre. La crue, Blackwater numéro 1, aux éditions Monsieur Toussaint, l'ouverture. Donc, je peux vous relire la quatrième de couverture, mais c'est pareil, je crois que je l'ai déjà fait. Je pense que je vais vous en reparler. Là, j'en suis au chapitre 2, mais en audio, donc est-ce que ça correspond au même chapitre? En tout cas, pour l'instant, j'aime beaucoup. Je suis agréablement surprise parce que j'ai vu des avis élogieux et des avis très mitigés. Avec la lumière, ça change de luminosité. Du coup, je vais le terminer la semaine prochaine, je pense. Il n'y a pas beaucoup d'heures en audio. Et je vous en reparle très très vite. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'ai décidé de faire court. Et je vous dis probablement à demain. A tout de suite pour vous. Comme dirait Angeline du conte Muse. A tout de suite pour vous. A demain pour moi. Ciao. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est samedi 23 juillet, je vous ai pris rapidement hier soir. Je continue de filmer du coup avec mon appareil photo. Et j'ai reçu ce matin un petit colis dans la boîte aux lettres que j'ai pré-ouvert parce qu'il était très abîmé. Donc je sais ce que c'est. C'est un colis que j'attends depuis 23 jours. C'est un petit peu lent. C'est une commande passée chez le Renard Doré. Et le Renard Doré, souvent... donc les frais d'envoi sont un petit peu chers et l'envoi est un petit peu long. Donc là je le savais parce que j'avais un livre qui n'était pas disponible tout de suite, mais au final il n'a pas été disponible non plus dans les délais qu'on m'avait annoncé. Et puis même quand tout est disponible, en fait c'est déjà arrivé que malheureusement ma commande passe à la trappe et il a fallu que je relance pour qu'elle soit envoyée. Donc à chaque fois c'est un petit mois d'attente. Et je trouve ça un petit peu décevant, bien que j'adore cette librairie, vraiment. Du coup, je vous montre ce que j'ai pris. Alors tout d'abord, j'ai pris le tome 2. Évidemment, il fait pas le focus. Princesse Killala, tome 2. Donc c'est avec Ariel, la petite sirène. La première fois, c'était avec Blanche-Neige. En fait, j'ai découvert un petit peu ce manga par hasard. Il faut savoir que je lis peu de mangas. Je m'y mets vraiment depuis la bubble party de ma copine Alexandra. En fait, ce qui me dérange, c'est qu'il n'y a pas de couleur. Voilà, mais bon, c'est le propre du manga, me direz-vous. Donc j'ai découvert ce manga par hasard à la librairie Bulle en Stock. Je ne sais plus trop si c'est ça. À Amiens, j'y suis allée qu'une seule fois. Pourtant, j'ai grandi à Amiens. Et en fait, c'était La Belle et la Bête. Donc je l'avais embarqué avant de me rendre compte que c'était pas du tout le tome 1. Donc j'ai lu le tome 1 sur Blanche-Neige, que j'ai beaucoup apprécié, et je lis le tome 2 sur La Petite Sirène. Qu'est-ce que nous dit la quatrième de couve? Ah bah série complète en 5 volumes, bah du coup il n'y en a pas 50. Hein.
On verra bien. Le bateau de Killala a chaviré dans la tempête et elle est sur le point de se noyer lorsqu'elle est recueillie par la petite sirène. Ariel, mais elle a été séparée de Ray pendant la tempête. Que lui est-il arrivé? Killala explore l'océan en compagnie d'Ariel et de ses amis, mais parviendront-ils à se retrouver? Bon, moi je pense que oui. Je peux me tromper. Et ensuite, donc ça c'était le petit plus parce que les frais de port coûtent tellement cher que du coup je passe toujours plusieurs commandes. Ah oui, il y avait ça aussi, j'avais oublié. Donc je me suis pris le petit pins qui va sur le tote bag, je vous montrerai. Je vous l'ai déjà montré par ici, mais en fait il y a 4 petits pins qui ont leur place en fait sur leur nouveau tote bag. Et donc là j'ai pris l'oiseau avec la pile à lire. Il me manquera le petit loup. Je vais essayer de le commander rapidement pour avoir la collection complète. Donc avec notre commande, on a toujours de très jolis marque-pages. Je crois que c'est plus net quand je zoome pas, enfin quand je vous l'approche pas. Voilà. Et puis ce que j'attendais avec vraiment beaucoup d'impatience, c'est cette nouvelle collection. Alors je sais pas comment s'appellent ces petits personnages en vrai. Moi j'appelle ça des pop, mais c'est clairement pas des pop. Pop Mart. Ah si, Pop Mart. Donc il y a tout cela dedans, mais évidemment vous ne verrez rien du tout. Pour ça il faudrait que je fasse le focus, mais si je le fais, c'est moi qui vais être flou. Friends. Donc j'en ai pris deux. Avec un peu de chance, c'est pas les mêmes. C'est parti. Bon, déjà celui-là. Donc moi j'ai la... je sais pas si on les voit ici. Ah non, ils sont en haut. J'ai deux collections Harry Potter. Pas complète. Zut, j'ai regardé la fiche. A chaque fois j'oublie qu'il y a la petite carte dedans. Il y a des paquets dans les paquets. Ah non, j'avais pas vu que c'était celui-là. Attendez. Il y a une ouverture facile. Alors comment il se présente celui-là? La petite carte, elle est quand même bien utile, on va pas se mentir. Ah, c'est Chandler. J'hésitais entre Chandler et Joey. Donc en fait... hop. C'est Chandler dans son bateau. Que je pose ici. Avec sa grosse tête, il perd l'équilibre. Et le petit seau avec le canard. Voilà, si vous vous souvenez. Si vous êtes fan de Friends. Allez, il n'y a plus qu'à espérer ne pas avoir le même. Le stress. J'aimerais bien avoir qui, moi? J'aimerais bien avoir... J'aime bien Phoebe, j'aime bien Monica dans le fauteuil. Rachel, je la trouve pas dingue sur ce coup-là. En plus, ah non, elle y est deux fois en tant que pom-pom girl, mais c'est pas ma préférée. Allez, une petite Monica. C'est pas Monica. Ah bah. Ah bah celui-là, il est pas mal, cela dit. Rachel, avec sa, en tant que serveuse, avec sa tasse et tout, son petit tablier, tout ça. Celui-là, il est pas mal. Good for Rachel, Chandler with Duck. Trop contente. Allez, c'est parti pour une nouvelle collection, il n'y a plus qu'à la continuer. Le plus dur, c'est ça, la continuer et surtout la terminer, parce qu'après, on a des doublons. Donc voilà, mais je suis contente. J'en profite pour vous dire que j'ai fait des petits achats. Alors, j'ai été à Cultura la semaine dernière
Et en fait, deux livres achetés, un poche offert. Donc, enfin, un poche offert, deux poches achetées, un poche offert. Et en fait, j'ai pris un livre offert dans le rayon jeunesse. Tout simplement parce que mon filleul est fan de dinosaures. Je l'ai été quand j'avais son âge. Mais pas autant que lui, je crois. Lui, il connaît tous les noms farfelus des dinosaures. Du coup, je lui ai pris ce petit livre. Donc, Dinosaure, le cyclone. C'est vraiment pas mal. Alors, il y a quand même pas mal de textes. Il est en CP, donc j'imagine qu'il lira peut-être pas tout seul. Mais ça peut être une collection sympa. Un os de dinosaure ? Voilà l'incroyable découverte de Dimitri sur le chantier de fouilles de ses parents, paléontologues. Plus incroyable encore, la nuit suivante, sa petite sœur et lui sont réveillés par un cyclone qui les emmène au temps des dinosaures. C'est le début d'une aventure extraordinaire et surtout périlleuse. C'est la collection première lecture. Il y a premier pas, je commence à lire, et pas à pas, je suis un bon lecteur. Là, je pense qu'on est dans le pas à pas. Ouais, c'est ça. Mais avec l'aide de sa maman ou de moi, je pense que ça lui fera plaisir. Et donc avec, je me suis pris deux livres dont j'ai entendu, enfin deux livres d'auteurs dont j'ai entendu beaucoup de bien, que je n'avais pas encore dans ma palle. Deux bricasses. J'ai nommé. Alors j'ai regardé les avis Babelio parce que quand je vous demande vos avis, forcément les goûts et les couleurs, donc vous n'êtes pas toujours d'accord. Et du coup, parfois je suis indécise. Et là j'ai pris Joël Dicker, La vérité sur l'affaire Harry Kébert. Vous m'en avez dit beaucoup de bien. À première vue, c'est pas celui qui me tente le plus. Moi, c'est la chambre 622, je crois. Mais je sais plus s'il y était. Enfin bref. Du coup, c'est une pavasse quand même. Hein. Vous me faites rire. 850 pages. Complètement influencé par Bookstagram. Et c'est totalement pour le découvrir, en fait. Je sais que vous êtes nombreux à l'adorer. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel livre de Joël Dicker vous avez lu. Quel est votre préféré? Et puis bah moi j'aurais plus qu'à me lancer en fait. Allez, je voulais la quatrième, même si je pense que il est sorti en quelle année celui-là. Donc aux éditions Rosie and Wolf, et il est sorti en 2012. Donc à mon avis, je suis complètement en retard et vous l'avez déjà lu depuis un moment. Été 1975, dans le New Hampshire. Moi et mon accent. Nola Kellergan, une jeune fille de 15 ans, disparaît dans des conditions mystérieuses. Au printemps 2008, à New York, Marcus Goldman, jeune écrivain à succès, est incapable d'écrire le nouveau roman qu'il doit remettre à son éditeur. Dans l'espoir de retrouver l'inspiration, il s'installe pour quelques semaines chez son ami et ancien professeur d'université, Harry Kébert, l'un des écrivains les plus respectés du pays. Peu après son retour à New York, tout bascule. Le cadavre de Nola Kellergan est retrouvé dans la propriété de Harry Kébert. Celui-ci, accusé du meurtre de la jeune femme, est immédiatement arrêté par la police. Convaincu de l'innocence de Harry, Marcus abandonne tout pour se rendre dans le New Hampshire, mener sa propre enquête. Il va rapidement être dépassé par les événements. La vérité sur l'affaire Harry Kébert a obtenu successivement en 2012 le prix de la vocation Blanchette, le grand prix du roman de l'Académie française et le prix Goncourt des lycéens. Ce livre s'est vendu à des millions d'exemplaires dans le monde entier et a été adapté en série télévisée par Jean-Jacques Arnaud. Oui, donc je pense pas me tromper du coup. Par contre, je me demande en 850 pages ce qui peut bien se passer dans l'enquête, ça doit être complètement dingue. Voilà! Et puis, j'ai acheté mon premier Luca di Fulvio, Le Gang des Rêves. C'est un roman que j'ai failli acheter déjà plusieurs fois, puis à chaque fois je me disais, je sais pas, la quatrième de couverture, je sais que c'est un auteur génialissime, vous êtes très très nombreux à me l'avoir déjà dit, mais c'est vrai qu'à première vue, je me serais pas laissé tenter par ce roman. Là, c'est vraiment la curiosité qui parle et l'envie d'en savoir plus. Donc, c'est un roman paru aux éditions Slatkin et compagnie en 2015. Et il fait... Ah bah, on dirait pas. 940 pages. C'est-à-dire qu'il est plus épais que celui-là, mais moins épais. Travail éditorial, du coup. Alors, New York, ah bah décidément, c'est peut-être un signe ça, à mon avis, en 2023, ou en fin d'année, je vais aller à New York. En cette tumultueuse année 1920, pardon,
Pour des milliers d'Européens, la ville est synonyme de rêve américain. C'est le cas pour Seta Luminita, une Italienne qui, du haut de son jeune âge, compte bien se tailler une place au soleil avec Christmas, son fils. Dans une cité en plein essor, où la radio débute à peine et le cinéma se met à parler, Christmas grandit entre gangs adverses, violence et pauvreté, avec ses rêves et sa gouaille comme planche de salut. L'espoir d'une nouvelle existence s'esquisse lorsqu'il rencontre la belle et riche Ruth. J'ai pas d'accent. Et si à ses côtés Christmas trouvait la liberté et dans ses bras l'amour? Les enfants de Venise me tentaient aussi. Voilà, pour la petite histoire. Donc pareil, je suis pas hyper emballée. J'ai peur que ce soit dur, ce soit peut-être trop... J'allais dire historique, je sais que c'est pas forcément un roman historique, mais voilà, c'est ma crainte. C'est original les couleurs. Dramaturge, le... est également auteur des romans. Je vous en dirai des nouvelles. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu cet auteur et quel roman vous avez préféré, parce que moi j'ai regardé un peu les notes sur Babelio et franchement ils sont tous quasiment à 4 voire plus, et ça a été difficile de choisir du coup. Évidemment, en passant à Cultura, bon, je tombe sur ça, on a toujours besoin de Stabilo, de Surligneur. Je les ai pas encore ouverts. Mais bon, vous n'allez peut-être pas avoir grand chose. Hop là. Ils font tout Harry Potter. Hein. Il y a les règles, équerre, trousse, bon, trousse, cartable, oui. Gryffindor. Ça, je ne sais pas le prononcer en anglais, mais c'est Serpentard, quoi. Et en fait, Gryffondor, c'est le seul qui ressemble. Serre d'aigle. Oh, le doute. Pouf souffle. Et pour la petite histoire, moi, après avoir fait maintes et maintes tests, je serai bel et bien une Gryffondor. Alors, c'est sans me vanter. Je suis pas Gryffondor style Hermione Granger ou Harry Potter, mais plus du style Neuville-Londubat. Voilà. Tranquillou dans mon coin. Un peu timide, un peu stressé, un peu tête en l'air. Mais avec une petite... voilà. Souvent, on... J'allais dire, on me remarque par ma discrétion. Voilà. Donc, trop contente. Et en plus, il y a un rouge. J'ai jamais eu de marqueur rouge. Voilà pour ça. Et j'enchaîne. Ça fait combien de temps que je vous parle? Oh, 4 minutes, ça va. J'ai fait une brocante dimanche. J'ai trouvé 2 livres. Pas en super état, mais ça va quand même. Aux éditions France Loisirs, je crois que c'est les deux France Loisirs. Bon, c'est des livres de brocante, quoi. Ben mince alors. Oui, c'est ça, c'est France Loisirs. Donc j'ai été attirée par la couverture de Je te vois de Claire McIntosh. Ça me dit quelque chose, ça. Petite palace. De plus de 530 pages. Bon, France Loisirs, je suis abonnée moi, je fais partie du club France Loisirs depuis des années. Donc, ils font des super ouvrages en lien avec les maisons d'édition. Mais c'est vrai que pour ces super ouvrages-là, justement, moi j'aime bien compléter ma collection de la maison d'édition d'origine. Donc parfois, bah, je fais l'impasse de ne pas prendre chez France Loisirs alors que, bah, du coup, ils ont quand même pas mal de belles choses, quoi. Donc là, j'aimais bien la couverture. C'est une femme qui marche sur le goudron mouillé. On sent que c'est l'automne avec les feuilles qui tombent. Alors, tu fais la même chose tous les jours. Quelqu'un d'autre le sait. Comme des milliers de Londoniens, Zoé Walker emprunte quotidiennement le même métro, monte dans le même wagon, descend à la même station. Mais un matin, dans le journal, elle découvre sa photo dans les petites annonces, sous l'adresse d'un site internet. Qui a pris ce cliché à son insu? Dans quel but? Et puis, est-ce bien elle? Zoé ne va trouver... une seule oreille attentive, celle de Kelly Swift, désolé pour l'accent, un agent de la police du métro. Car une succession d'incidents étranges
qui paraissent culminer dans un meurtre persuade Kelly que quelqu'un joue au chat et à la souris avec les passagères et surveille le moindre de leurs faits et gestes. Chacune de leur côté, les deux femmes vont lutter contre cet ennemi invisible et omniprésent. Donc moi, ce qui me tente bien, c'est que ça a l'air de se passer plus ou moins dans le métro, et je trouve ça plutôt cool. Ça a l'air d'être un thriller, plutôt pas forcément un huis clos, à voir. Mais du coup, il me tentait bien. Et avec, j'ai pris ce joli livre. Il est trop beau. Je l'aime trop. Avec le petit bijou là. Petite ceinture de jupe, je pense. Donc, Une sorcière à la cour de Philippe Madral. 1678. Tandis que Louis XIV mène grand train à Saint-Germain et Versailles, Paris est frappé par des meurtres abominables et la rumeur enfle. Des empoisonneurs œuvrant pour le diable auraient infesté la ville. Lorsque le scandale gagne la cour, le roi ordonne à la reine lieutenant général de police de démanteler les officines et de punir les sorcières. Au cours de son enquête, ce dernier comprend que le roi est victime d'un complot. Mais surtout, il découvre que derrière cet acte diabolique se cache une plus grande violence encore subie par les femmes. Maintenues toute leur vie sous l'autorité d'un père, d'un frère ou d'un mari, ont-elles d'autre choix que le crime pour conquérir leur liberté? Dans cette enquête sulfureuse, Philippe Madral nous plonge au cœur d'une société en mutation et revisite la célèbre affaire des poisons avec un souffle romanesque exceptionnel. Donc ce qui me plaisait bien dans ce livre, la couverture, le fait que ça parle de sorcières, le fait que ça se passe à l'époque du roi Louis XIV, et le fait que ça parle de femmes qui cherchent leur liberté. Voilà. Ça me tentait bien. Donc c'est un livre qui est sorti aux éditions J.C. Lattès, tout comme l'autre roman, en 2019. Et on est sur un petit 470 pages. Voilà. Je vérifie que je vous dis pas de bêtises. Ah ben non, c'est Hachette. Parce que j'en ai vu un autre de J.C. Lattès à la brocante. En 2017. Voilà mes petites trouvailles. Bah écoutez, c'est tout pour moi là tout de suite. Je vous reprends peut-être plus tard. De ce roman que j'ai terminé aujourd'hui comme prévu, donc L'enfant étoile de Catherine Engberg. Donc je vais pas vous en dire beaucoup plus que ce que je vous ai déjà dit. J'ai aimé le lieu où se déroule l'enquête et j'ai toujours pas réussi à m'attacher aux enquêteurs plus que ça. J'ai trouvé des longueurs. Par contre, la bonne surprise, c'est que l'enquête donc est bien ficelée. Mais elle est plus complexe que ce que je pouvais penser au départ. Elle est surtout plus complexe sur la fin. C'est du coup une lecture assez exigeante à la fin pour bien comprendre qui est qui et qui a fait quoi. Parce que voilà, c'est vraiment bien mené. Donc c'est une plume que j'ai appréciée. Après, c'est pas forcément un roman qui restera dans ma mémoire pendant des mois et des années. Mais c'est quand même une jolie découverte. Et si vous êtes... friand de thrillers qui se passent dans les pays froids, parce que je crois que le Danemark c'est quand même pas très chaud, et ben en tout cas je vous le recommande chaleureusement, enfin chaleureusement non, mais je vous le recommande. Que dire de plus? Ben, je suis contente vraiment de l'avoir découvert. Après c'est bien ficelé, mais il y a quand même des liens pour moi que j'ai trouvé un peu farfelus. Donc voilà, est-ce que je suis restée encore une fois trop longtemps sur ma lecture parce que ça fait une semaine et demie que j'y suis? C'est possible, que je sais que quand je mets trop de temps à lire un livre, c'est un peu l'effet, double effet qui se coule. Donc c'est pas une déception, c'est pas un coup de cœur, ça c'est sûr. C'est une belle découverte, j'ai hâte de je suis curieuse de voir le prochain roman de l'autrice, parce que là c'est un premier roman, et il est franchement pas mauvais, donc à vous de vous faire votre avis. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, vous voyez je suis devant... mon ordinateur, je vais clôturer ici cette gazette qui est plus courte que d'habitude, mais c'est pas forcément plus mal.
Et puis, je vous dis à la semaine prochaine.